Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec une nouvelle fois un récap de l'année 2019 avec cette fois-ci on va se concentrer sur les livres en anglais que j'ai lus cette année. Avant de démarrer cette vidéo, vous remarquerez peut-être ma voix pas très belle. J'ai été quasiment à fond pendant 4-5 jours. Là je reprends au fur et à mesure le droit à ma parole de nouveau. Du coup voilà, je vais essayer de ne pas trop parler fort et on va commencer cette vidéo. Alors en 2019, j'avais très envie de lire plus de livres en anglais puisqu'en 2018 je n'en avais pas lu beaucoup, même pas 3 je crois. Et j'avais très envie d'en lire plus cette année. Vous le voyez, toute cette partie là, ce sont tous mes livres en anglais. J'en achète de plus en plus parce que j'adore l'anglais. Me replonger dans des histoires en anglais avec du coup du texte en anglais, bah maintient mon niveau et l'améliore. J'aime énormément ça. Et du coup cette année j'avais très envie d'en lire plus. Je voulais en lire encore plus. En fait, je m'étais dit genre si t'en lis un tous les mois et demi, c'est pas mal. Et en fait, j'en ai lu que 6. Voilà, donc c'est pas trop mal, ça fait environ un tous les deux mois. Voilà. Donc je vais vous présenter ce que j'ai lu, de quoi il parle, pourquoi, machin machin. Alors le premier que j'ai lu cette année, et c'est en février si je me souviens bien, ou en janvier, c'est You Are A Badass, How to Stop Doubting Your Greatness and Start Living an Awesome Life de Jen Sincero. C'est un livre de développement personnel un peu dans le style que j'avais acheté à New York. J'avais énormément d'espoir en ce livre. Enfin, je me suis dit ça va vachement m'aider à prendre confiance en soi. Du coup, comment arrêter de douter de soi, enfin de sa grandeur, et commencer à vivre une vie géniale. Non, ça n'a pas changé ma vie. Mais voilà, c'est assez intéressant, c'est divisé en plusieurs chapitres, c'était pas trop mal, ce n'est pas le livre que j'ai préféré cette année, mais je trouve que le fait que ce soit une espèce de guide pour nous aider, c'est pas mal. Je sais qu'au niveau du vocabulaire, parfois j'avais un peu galéré parce qu'il y a un peu du jargon, du vocabulaire pas forcément facile. Ce n'est pas celui que je recommanderais si vous avez un niveau pas hyper élevé, parce que même moi j'ai un peu galéré. Mais bon, c'est assez intéressant et voilà. Le deuxième livre en anglais que j'ai lu cette année, c'est Helena Oliphant is Completely Fine de Gail Honeyman, que j'ai acheté chez Gilbert Joseph. Il existait également en français, mais je voulais vraiment le lire en anglais. Voilà, je trouvais ça plus cool. Je l'ai payé même pas 10 € et quelques, il est vendu à 9 livres, donc peut-être genre 12-13 €. Donc ça va, c'est un de mes coups de cœur de cette sélection, même peut-être de cette année. Vous voyez qu'il a été vendu à 2 millions d'exemplaires. Alors je ne sais pas si c'est dans le monde entier ou que dans les pays anglophones, je ne sais pas. Il a été élu Book of the Year, donc ce n'est pas rien du tout. Et en fait on va suivre une jeune femme qui s'appelle Eleanor Oliphant, qui a la petite trentaine si je me souviens bien, qui habite dans une petite ville du Royaume-Uni, qui a une vie très routinière. Elle mange la même chose chaque midi, elle fait la même chose chaque vendredi soir, c'est-à-dire qu'elle va dans une pizzeria, elle mange la même pizza, elle achète 2 bouteilles de vodka. Elle travaille dans la même boîte depuis 9-10 ans, elle a énormément de mal avec les liens sociaux, elle n'a pas d'amis, pas de copains, pas de famille. C'est une fille vraiment qui fait de la peine au tout début du livre et même jusqu'au milieu en gros. En fait, elle se contente complètement de ce qu'elle a, elle ne vise absolument pas mieux, elle n'est pas heureuse mais elle ne s'en rend même pas compte. C'est vraiment le genre de personne que si j'étais comme ça, je pense que je me tirerais une balle parce que franchement, sa vie n'est pas intéressante du tout. Chaque mercredi, elle appelle sa mère avec laquelle elle a une relation très bizarre. On se dit qu'il y a vraiment un problème mais en fait, on le découvre à la fin. Et en fait, durant ce livre-là, elle va tomber sur un de ses collègues de travail qui s'appelle Raymond. Elle va sympathiser avec, chose qui est très très difficile pour elle. Parce qu'en fait, elle va avoir un vieil homme tombé dans la rue, elle va l'aider, et ils vont se lier d'amitié. Donc elle va faire des choses qu'elle n'avait jamais faites avant, comme sympathiser avec lui, elle va même rencontrer sa mère, elle va aller à une soirée, enfin vraiment, elle va avoir une vie un peu mieux. Donc tout au long du livre, c'est vraiment un roman d'évolution. On la voit évoluer, c'est hyper intéressant. Le vocabulaire est très facile, j'ai quasiment tout compris, j'ai adoré l'histoire. C'est un personnage, Eleanor, qui est assez sympathique mais un peu déprimante aussi. Mais voilà, elle est sympathique à mes yeux quoi. C'est un livre que j'ai beaucoup 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 aimé. Et pour le coup je pense que si vous avez un niveau genre
B1, B2, B2, on va dire, ça passe. Voilà. Ensuite, dans l'ordre, si je me souviens bien, j'ai lu Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, qui est dans cette jolie édition pour le 60e anniversaire du livre, toujours que j'ai acheté à New York. Celui-ci, je l'ai lu en juillet ou en août et je n'ai pas aimé du tout. Ça fait partie d'un des classiques de la littérature anglo-saxonne, mais moi je n'ai pas aimé du tout. Donc c'est une dystopie, je vous en parlais dans ma vidéo de mes dystopies qui m'ont déçu que je vous laisse juste ici. Donc une dystopie c'est quoi? C'est un roman qui se passe dans une réalité future qui tourne mal, voilà. Dans laquelle il y a un nouveau régime en place avec de nouvelles lois et où ça tourne mal, voilà, tout simplement. C'est... ouais, voilà. Donc on va suivre une société dans laquelle lire est interdit, est dangereux, est puni par la loi. Tous les livres sont brûlés, il y a des autodafés géants. Si on voit des gens avec des livres, on les tue ainsi que leurs livres. Et on va suivre un pompier qui s'appelle Guy Montag. Et la particularité de ce régime-ci, c'est que les pompiers ne sont pas faits pour sauver les gens et éteindre les feux, mais pour créer des feux, c'est-à-dire brûler des livres quand ils en voient. Et voilà, donc au début c'est assez étrange parce qu'on va se rendre compte qu'il est en couple avec une femme, elle va être dépressive totalement, lui va s'en ficher complet, ensuite il va faire la rencontre d'une jeune fille qui est un peu anti-régime et qui réfléchit par elle-même et qui n'est pas complètement brainwashed, endoctrinée, mais lui il l'est et au bout d'un moment il va se réveiller, il va protéger une femme avec des livres, voilà, c'est tout autour des livres. J'avais adoré la pièce de théâtre qui était géniale, mais alors sous version livre je n'ai pas aimé. Déjà le vocabulaire m'a un peu manqué, certains mots ont fait que j'ai eu un peu du mal à comprendre. J'ai vérifié sur internet que j'avais bien compris, j'ai bien tout compris sauf à peu près la fin. Mais voilà, pour moi j'ai pas adhéré, je sais que beaucoup de personnes aiment ce livre et qu'il est considéré comme un des piliers de la dystopie, mais moi j'ai pas du tout aimé. Et je vous laisserai dans la barre d'infos ma vidéo de mes dystopies que j'ai aimées. Si vous voulez lire une dystopie que je vous recommande, il y en a. Mais celui-ci, non, j'ai pas aimé. Ensuite, en septembre, ou en août, j'ai lu Feminists Don't Wear Pink de Scarlett Curtis, coécrit avec tout ça au niveau des femmes, qui sont des femmes activistes, actrices, sportives, influentes. On a Saoirse Ronan, on a Evanna Lynch, on a Emma Watson, on a Jamila Jamil, on a on a Keira Knightley, on a pas mal de personnes connues et en fait qui racontent tout un pan de leur vie concernant leur féminité, leur version du féminisme. Alors comme je vous le disais dans ma vidéo de mes livres lus le mois où je l'ai lu, ce n'est pas du tout un roman qui critique les hommes, qui est féministe à fond. Pas du tout, c'est pas un roman engagé, en plus ce n'est même pas un roman, c'est un recueil de témoignages quoi. Mais c'est tout de même engagé dans le sens où chacune de ces femmes raconte du coup un moment intime où sa féminité a été mise en danger, où elle s'est questionnée sur sa féminité, qu'est-ce que le féminisme, mais jamais dans l'extrême. Voilà, je le précise parce que j'aime pas non plus les trucs trop extrêmes, mais j'ai adoré celui-ci parce que du coup c'est complètement réel, ce sont... des aspects privés de leur vie, du coup j'ai trouvé ça très intéressant qu'elles le partagent avec tout le monde, avec nous les femmes en majorité, je pense qu'ils lisons ce livre là. C'est, voilà, il y en a une qui raconte son combat contre l'excision, donc là du coup c'est engagé. Une femme qui s'appelle Angela Yee, que j'avais identifiée sur Instagram, qui avait vu mon post, qui est une... elle fait de la radio aux États-Unis et elle, en fait, elle a été virée parce qu'elle avait refusé de coucher avec le patron, voilà, voilà. Donc voilà, certaines histoires plus difficiles que d'autres. Keira Knightley qui nous raconte comment elle a repris sa féminité en main après une grossesse, voilà, parce que c'est pas évident. Et c'est hyper, hyper intéressant. Vous pouvez le lire, par exemple, lire 2-3 témoignages, arrêter, lire autre chose, reprendre, parce qu'en fait, ça se lit vraiment de manière, on peut le feuilleter et lire témoignage après... témoignages, certains sont courts, genre 2-3 pages comme celui de Saoirse Ronan, j'ai trouvé ça vraiment dommage, et certains sont très longs, 10-15 pages, enfin très longs, voilà, je m'entends. Celui-ci je l'ai commandé sur Amazon UK, tout simplement parce que je ne l'ai pas vu en France, que je l'avais vu chez Urban Outfitters mais vendu à prix d'or, alors qu'il est à 13 livres et que je ne l'ai même pas payé 12-13 euros.
Voilà, et elle en a écrit un autre qui s'appelle It's okay to feel blue. En gros, c'est ok que de se sentir déprimé de temps en temps. Je voulais le prendre, je vais le prendre. Donc voilà, je vous le conseille vivement. Au niveau du vocabulaire, ça va, franchement, c'est facile. J'ai tout compris, j'ai adoré ce livre et je pense qu'il fait partie aussi de mes préférés de cette fin d'année, enfin de cette deuxième partie de l'année et des livres que j'ai lus en anglais. L'avant-avant-dernier livre, enfin avant-avant-dernier, vous allez comprendre que j'ai lu mais je ne l'ai pas avec moi, je vous laisserai en visuel ici. C'est l'autobiographie de Tan Friends que j'ai actuellement prêté à un ami qui adore également cet homme. Donc en fait c'est l'expert mode de la série Queer Eye, je vous en parle tout le temps, j'ai l'impression d'en parler à chaque vidéo. En gros c'est un show américain avec 5 hommes qui sont gays, qui ont chacune une particularité. Un dans la déco, un dans la mode, un dans le psychologique, un dans la beauté et un dans la nourriture. Et en fait, ils aident un candidat à chaque fois à se sentir mieux, à manger mieux, à être mieux dans sa peau. Tout ça, c'est hyper hyper intéressant. Et Tan Friends, l'expert mode, donc qui est anglais d'origine pakistanaise, a écrit une autobiographie comme tous les autres gars de la team, sauf Bobby qui s'occupe de la déco. Et j'ai adoré, je l'ai lu en octobre, j'ai tout compris, c'était hyper hyper intéressant d'en savoir plus du coup sur cet homme que j'admire trop, j'adore son accent, je le trouve trop bien. Il nous raconte du coup son enfance en Angleterre, comment il a été plongé dans la mode par son grand-père qui avait une usine de denim en Angleterre, la découverte de sa sexualité, son arrivée aux États-Unis, la rencontre avec son mari, l'aventure Queer Eye, comment il est perçu aussi par les Américains en tant que... basané parce qu'il a des origines du coup pakistanaises et à chaque fois qu'il vient aux États-Unis, pourtant il y habite et qu'il passe l'immigration, et bah il est bloqué. Voilà, j'adore les États-Unis pour ça, c'est génial. C'est un livre hyper hyper intéressant, on apprend plus sur lui du coup comme c'est une autobiographie et je vous la conseille vivement. Voilà, une autre autobiographie que j'ai lue juste après, c'était celle de Caramo Brown, toujours de Queer Eye, sauf que cette fois-ci c'est l'expert culture, en gros c'est la personne avec laquelle les candidats discutent, c'est un peu le psy de l'émission. C'est une figure emblématique parce que pour moi il n'y a pas de relooking sans savoir comment va la personne en fait, ce serait superficiel et totalement bête. Donc Caramo a également écrit une autobiographie qui psychologiquement était plus difficile que celle de Tan, j'ai trouvé, parce qu'il a vécu plus de choses difficiles. Notamment dans sa vingtaine, il a participé à une émission de télé-réalité qui l'a fait plonger dans la drogue, dans l'alcool. Il était violent avec ses compagnons parce que quand il était jeune, son père était violent avec sa mère. Donc voilà, la découverte de sa sexualité lorsqu'il était adolescent, mais il a quand même couché avec une copine de son âge. En fait, 10 ans plus tard, à 26 ans, il a su qu'il était père d'un enfant de 10 ans. Voilà, donc comment il a remonté la pente par rapport à sa paternité, à la découverte de sa paternité. Il s'est dit, il faut que je remonte la pente, quoi, que je sois une figure bonne pour mon enfant. Comment il a participé à un show de Oprah Winfrey, où il était un peu un expert psychologique et tout. Comment il s'est occupé des autres, en fait, il était un peu genre... il travaillait dans le social, voilà. Comment il a rencontré son mari, enfin son fiancé, ils vont bientôt se marier. Comment il a élevé son fils et du coup le demi-frère de son fils biologique qui du coup est son fils adoptif, voilà, il est père de 2 enfants. Comment Queer Eye lui est tombé dessus, enfin vraiment plein de choses, c'est hyper hyper intéressant encore une fois. Le vocabulaire pareil comme celui de Dan France, ça va, franchement aucun problème. Et tous les deux bien sûr parlent forcément un moment du racisme et de l'homophobie parce que lui est d'origine cubano-jamaïcain, je vais y arriver, et Tan d'origine pakistanaise, donc forcément les deux ont subi le racisme et l'homophobie. Voilà, donc ces deux livres vraiment sur le... accepter qui on est, ne pas se laisser abattre par les critiques, c'est très très positif. Donc voilà. Et le dernier livre, mais je n'avais pas vraiment envie de le mettre parce qu'en fait je ne l'ai pas terminé, je vous l'ai déjà présenté dans mes... livre lu en novembre que je vous laisserai juste ici, c'est la suite de La Servante écarlate de Margaret Atwood, qui est Les Testaments, du coup en anglais The Testaments, que j'ai commandé pareil sur Amazon UK, comme en France ils le vendaient d'une blinde.
Et ben en fait j'en suis à la moitié. J'en suis où? J'en suis là. Voilà, à la moitié. Je ne compte pas le finir, je pense. J'ai mis 100 pages à comprendre. En fait, l'histoire parlait de 3 femmes différentes. Parce qu'au début, je me suis dit, c'est bizarre, il y en a une qui vit sous le régime de Gilead. Ensuite, elle n'y vit plus. Bah ouais, normal, il y avait 3 filles. Bref, du coup, j'ai pas trop compris parce qu'en fait, elle s'appelle témoin A, témoin B, je sais pas quoi. Franchement, je l'ai pas trouvé intéressant. Je pense que d'une, c'est un peu à cause de la langue parce que le vocabulaire est pas... En vrai, ça va. Par rapport à mon état d'esprit en novembre quand j'ai lu où ça n'allait pas du tout dans ma vie perso. Et bah, par rapport au fait que je le trouve pas intéressant, voilà, c'est comme ça. Et apparemment, il n'a pas des hyper bonnes critiques. Il a été très vendu, genre 100 000 exemplaires en une semaine. Mais il n'a pas des hyper bonnes critiques sur certains réseaux. Donc ça me rassure parce que franchement, je trouve pas ça transcendant du tout. Moi, je pensais que ce serait une suite avec genre le personnage de deux Fred, donc je suis un peu deg. Mais Margaret Atwood a vraiment surfé sur la série qui marchait hyper bien. Pour écrire la suite 25 ans plus tard après ben, La Servante écarlate, même plus. Je crois que ça a été écrit avant, 1995. Mais voilà, pourquoi pas écrire une suite? Mais franchement, la façon dont... Non, je trouve pas ça clair, pas ça forcément hyper intéressant. Je ne pense pas le finir. Franchement, je suis dégoûtée parce que, notamment, arrêter un livre en anglais, ça me fait culpabiliser, ça me fait me sentir mal parce que j'ai l'impression que ça coûte du vocabulaire ou que je suis pas assez intelligente pour tout comprendre, en fait. Mais non, je pense que juste c'est un mélange de plein de choses et voilà. Donc voilà, c'en est tout pour mes livres lus en anglais en 2019. J'espère que l'année prochaine, j'en lirai soit autant, soit un peu plus parce que là, j'en ai du coup ici que je n'ai toujours pas lu. J'en achète régulièrement. Voilà, ça change. Ça enrichit le vocabulaire. On garde la construction des phrases et on se trompe moins ensuite à l'oral quand on parle. Ou quand, par exemple, moi des fois je pense en anglais, j'essaye de faire mes phrases en anglais, et ben du coup ça vient vachement plus instinctivement quand on lit en anglais, quand on regarde des séries en anglais, que quand on fait rien pour améliorer l'anglais quoi. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu l'un de ces livres ou s'il vous a donné envie, si l'un d'eux vous a donné envie. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, ça me soutient dans la production de mes vidéos, enfin dans la production. Dans le fait que je fasse mes vidéos alors que j'ai pas mal de choses à faire et moralement bah c'est un peu encore compliqué. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve la semaine prochaine. Bye !